Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce canal. Si c'est tout, abonnez, cliquez là sur abonner, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse de ce que vous regardez cette vidéo et que Dieu vous bénisse de ce que vous allez faire également des dons de cette vidéo sur WhatsApp Union et PayPal. Merci beaucoup à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Mais ce dont nous allons vous parler ici est tellement grave que vous ne pouvez pas vous imaginer. Nous vous avons parlé de la musique satanique, c'est-à-dire de la musique où on introduit des symboles occultes, où encore les gens adorent le diable, ou sont en train de vénérer le diable lui-même, au travers de quoi? De leur musique. Est-ce que vous voyez? Ces choses sont bien réelles. Mais aujourd'hui, ce dont nous allons vous parler est plus grave que ça. Quand le diable décide d'intoxiquer quoi? La musique chrétienne. La musique chrétienne, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça donne? Waouh! On vous a dit que le diable est dans la musique, où on ne parle pas de Dieu, n'est-ce pas? Oui, on a parlé de ça en long et en large sur Union Scripon. Mais aujourd'hui, le diable a décidé d'entrer dans la musique que vous écoutez tous les jours, ou encore la musique des chrétiens, des gens qui disent qu'ils cherchent Dieu. Tu vois pas, la personne est en train de louer Dieu dans la musique, elle est en train de louer, c'est dit que c'est une musique chrétienne. Alors que cette musique-là, elle est orientée directement vers qui? Satan. Mais il ne sait pas. Déjà par la mélodie, par les rythmes, toutes ces choses, il y a des trucs vraiment bizarres. Tu vas prendre une musique comme ça, tu vas voir que les gens sont en train de chanter et ils voient Dieu. Dès que le chrétien entend Dieu ou bien Jésus dans la musique, lui pense que ça vient de Dieu. Mais quand tu regardes le clip là, tu vois des femmes qui sont nues. Même tu vois des statues, tu vois des trucs bizarres. Voici comment vous allez les repérer. Hein. Vous allez regarder cette musique-là, et dans cette musique-là, vous allez voir beaucoup de symboles occultes, comme des yeux même, un œil fermé, comme dans les films, dans les musiques qui ne sont pas chrétiennes, qui sont du monde des ténèbres. Tu vas voir un œil carrément fermé là-dedans, un œil fermé dans la musique qui est censée être chrétienne. Tu vas voir des statues, tout ce qu'on retrouve dans les musiques qui sont dans le monde des ténèbres, mais où encore des musiques du monde, on retrouve également dans la musique chrétienne. Dès que vous voyez ça, vous détectez de tels éléments dans la musique chrétienne, faites attention, le diable n'est pas loin. Le diable n'est pas loin! Il y a des choses graves qui se passent aujourd'hui. Ah! Tu viens carrément, tu cherches Dieu, même à l'église, on chante de cette musique. Dès qu'on dit on va louer Dieu, dès qu'on dit on va adorer Dieu là, tu vas voir, il y a des gens qui vont venir se mettre à l'église là-bas en train de danser comme dans le monde. En train de danser comme s'ils se trouvaient dans une boîte de nuit. Même quand vous voyez leur manière de s'habiller, vous allez comprendre qu'il y a un problème. Ah, tu vois la fille là, en train de danser, même il y a certaines personnes, même hommes de Dieu, qui ont traversé le tout du monde. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le monde, qui dansaient très bien même dans le monde, dans les boîtes de nuit comme tout le monde. Eux, ils reprennent les mêmes pas de danse même à l'église. Vous voyez, sous le fait de la musique. Et parfois même là, les instrumentistes à l'église là, ceux qui jouent de la musique, qui jouent au piano, qui jouent à la guitare, tout ça là, ils se permettent même de reproduire les mélodies de certains artistes mondains. Ou à l'église, dans la louange de Dieu, ils utilisent la musique, les mélodies, les sons du monde des ténèbres pour adorer Dieu. Ça arrive. Ce sont des choses qui sont réelles. Hein. Nous-mêmes, peut-être, on utilise toutes ces choses. Mais on demande toujours à Dieu de nous révéler toutes ces choses, de nous révéler clairement ce qui est mauvais. Et il y a des gens qui sont dans le monde des ténèbres, des musiciens chrétiens sorciers. En fait, des sorciers qui sont déguisés en vrais chrétiens, qui chantent même, qui louent Dieu. Quand vous êtes entendu chanter même là, vous avez l'impression que c'est Dieu lui-même qui est en train de chanter. Et c'est un sorcier qui est là. Mais quand tu chantes, tu es content. Comme toi-même tu es là, tu entends Jésus-Christ, hein? Tu es content. Tu te dis que c'est Dieu, on a été adoré. Oh, on a été adoré Dieu. Tu vois même une musique du monde. Dès que tu entends Alléluia dedans net, oh, on dit Alléluia, c'est que c'est chrétien. Alors que cette musique n'est même pas chrétienne. Ça ne vient même pas de Dieu, ce n'est même pas une musique qui est faite pour adorer Dieu.
C'est une musique qui est orientée directement vers Satan lui-même. Le diable oriente aujourd'hui la musique chrétienne vers lui. Au travers de quoi? Les mélodies qui se trouvent dans la musique, le style musical, ou encore les gens même qui chantent, même qui sont possédés. Si celui qui chante là, c'est un sorcier là, tu vas t'attendre à quoi? Tous ceux qui vont chanter avec lui de cette musique que lui-même l'a trafiquée. Et même de cette musique là, vous allez voir, hein, c'est une musique chrétienne, mais à un moment donné là, il va ajouter des cris sataniques dedans. C'est-à-dire, il chante jusqu'à un moment donné, il dit une parole que personne ne comprend. Voilà! Dans la musique chrétienne. Tu as l'impression que c'est Jésus qui prononce, en même temps, c'est une autre chose. C'est-à-dire, tu te poses la question, est-ce que c'est Jésus qui l'a dit? Est-ce qu'il dit Jésus à chaque fois quand il t'écrit? Il y a un de nos collègues youtubeurs aussi qui a travaillé ce sujet-là et qui a démontré un truc pareil. Ça nous a étonné. En fait, quand la personne là, il chante pour Dieu. C'était pasteur même. Il chante pour Dieu, tout ça. Mais quand il crie Jésus là, tu entends Jésus, mais ça sonne autre chose. En fait, tu entends Jésus, mais quand on écrit là, ça donne autre chose. C'est un autre nom qui ressemble un peu au nom de Jésus, mais c'est un nom d'un démon. Cherchez mes frères et sœurs, préparez-vous, c'est la première vidéo de ce type, soyez prêts pour les prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui feront dedans, merci à tous ceux qui vont s'abonner, qui sont aussi abonnés déjà, et merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo pour la référencer afin que beaucoup de personnes puissent la voir. Faut même vous pouvez partager cette vidéo afin d'alerter tout le monde de tout ça. Le diable arrive, il travaille, il faut que nous vous informons de ces choses. Soyez prêts, mes frères et sœurs, l'heure est grave. Quand le diable décide d'entrer dans les histoires de Dieu, faites attention. Faites vraiment attention. Ah, faites attention. Dieu revient. Jésus revient. Si le diable a décidé d'entrer dans la musique même qui vient de Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et Jésus revient. Soyez prêts. Soyez prêts pour la prochaine vidéo qui va vous intéresser. À bientôt. Ne soyez pas là.